Alors sois humble. Tu n'es pas innocent parce que tu n'as pas de péché sexuel. Et il y a des gens dans la vie qui ne pêchent pas sexuellement, pas par conviction, mais par manque d'occasion. Il y a des gens qui se disent, oh, est-ce que vous m'avez déjà entendu, moi, faire ceci? Mais tu n'es pas beau et tu n'es pas belle. Tu as moins de tentations que les gens qui sont beaux. Alors tais-toi. Quand tu ne commets pas de fautes contre les sexes, ce n'est pas parce que tu es saint, c'est parce que tu es laid ou parce que tu es laide. Tu as moins de tentations. Alors, quand tu vois une fille belle là, hein, oh, elle tombe. Bon, je ne dis pas qu'il faut justifier ça, mais je dis qu'il faut être compréhensif envers elle parce qu'elle, elle a plus de tentations que toi. La même chose, quand tu vois quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de succès, donc lui, les femmes les suivent. Ce n'est pas comme toi, un pauvre de rien du tout. Quelle femme te suivrait, toi? Même si tu en as un petit nombre, et celles qui vont te suivre avec des problèmes.